aller dans marché. Zombi man manan, gen beti poulet. Adje bon Dieu. Kite m'je di, sa m'pense. Ki jan mwen senti m'étranger. Nan pwa peyim, le m'aptande. Tout sa culture possède, son vrai trésor caché. Chocarella de Heartbeat Miami Take Over et n'a clôturé dernière session interview nous là jeudi parce que nous gagnons en pile interview pendant toute semaine que l'affaire avec une artiste qui a exposé ici là qui c'est Ted Zami Deauville. Comment est-ce man? En forme carré ça a fait. N'a boulé. Ça sont belles pièces que vous même fait là et moi même tout à l'heure avec Jipéry t'a parlé de comment il est facile pour peut-être reconnaître le style. Parce que vous avez très ou gapil couleur et pour gapil courbe. Non, et ça qu'on va faire. Avant bien sûr que nous arrivions sur Rio, puisque vous exposez en pile de nous parler de vous, parlez-nous un petit cas de vous-même. Ah bon, en effet, moi, je suis un artiste et qui a presque de 12 ans d'expérience. Je m'expose au Festival Art Haïti. Et en effet, moi, c'est comme des cas de ça, comme tout le monde a parlé, parce que moi, je ne suis pas représentant vraiment du ministère de la Culture, mais je suis sélectionné juste online. Parce que j'ai demandé pour te participer. Et donc, c'est un monde que je suis sélectionné online. Et moi-même, moi, c'est censé être un artiste à plein temps. Et moi, en avril, j'étais dans Art Expo New York, Open Manhattan. Et puis, année ça, moi, je viens participer dans Art Basel avec Art Beat Miami. Et ça fait plaisir tout parce que le majeur show que je fais, c'est show presque qui n'a pas un caractère vraiment avec Haïti ou bien bagage. Ça fait plaisir pour me faire une exposition comme si dans le milieu culturel haïtien, côté ma jeune professionnel haïtien, Kevin Wessa m'a fait et autres. Depuis qui l'a justement, on a fait ça? Ah, moi, j'ai près de 12 ans d'expérience et moi, je vis de ça. Et puis grand pile moun tout qui connaît moi ben mec bien que connaît et artiste visuel yo comme c'est sur social media par rapport à musicien même très connu en Haïti dans milieu pas dans milieu pas non très connu et puis tout mais comme de cap dit ça moi j'ai près de 12 ans d'expérience et m'a vive et me vive de ça. C'est ça. Voilà, quand il y a parlé de notre case de style, est-ce que tu remarques que je me défais? Bon, en effet, moi-même, style pas, j'aime un style, en effet, qui est un style afro-taino, qui sorti presque de origine nous, qui ça que nous y est. Ou après tellement fort, chlore dans la couleur, ou après couleur vraiment chaude. C'est de Bourivo ou son caraïbéen. Mais en effet, nous tendons en pile vers la culture, mais aussi vers l'universalité. C'est-à-dire, nous parler de tout et de rien, tant que ça, son riche guy. Ça, c'est l'idée à la haïtien, ça ne t'a rien, mais. Pour mon contentement, la joie, comme si c'est concerné, même son artiste joyeux. Son artiste joyeux aussi. Après, il y a l'autre pièce moins gain qui parlait de l'esprit des ancêtres. Et comme si mon thème général est vibrant, mais c'est couleur, je veux pour couleur, pas la mounio, fait mounio revivre. Parce que nous avons plus de morts vivants. Tout à fait, bien content. On a regardé quelques autres œuvres que vous même exposé, juste derrière là, et gagné un lot, et qui est les. Le chanceux. Belle, en pile, on dit aux couleurs vibrantes. Il y a belle bleue là, ou regarde côté là, un petit rouge, etc. C'est extraordinaire. En effet, est-ce que tu es capable de dire ça, son abstrait tout? Oui, son abstrait. Mais en effet, c'est chaque pièce, c'est l'unité dans la diversité. Comme si on retrouvait l'origine, on a toujours la force, la lumière là, parce que c'est aussi ajouter de la lumière dans l'obscurité. À travers les formes et les couleurs, les contrastes de la vie, c'est ça. Tout à fait. Bon, bah, voilà. Et puis, vous avez de toi l'autre encore, quoi. Oui. Après ça, nous avons ça, pièce ça. Voilà. Pas oublier que nous là, et c'est setup que nous setup, c'est pas et layout final là, ça, tout d'un appareil pour Pita. Voilà. Oui, ça. Et ça, son pièce tout qui c'est l'esprit des ancêtres. Après ça, son masque historique. Au bon d'amour qui parlait des ancêtres, oui. Esprit idéal. Ça veut dire que l'esclavage n'a pas commencé et l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas l'esclavage. Ça veut dire nous sommes belles. Nous avons de belles bagarres. Nous sommes jusqu'à présent tout noir, toujours représenté ça. Au bon d'amour, ça, son masque représente la puissance et la force de l'âme haïtien et de nos origines. Je vais vous montrer un petit close-up là, justement, on peut se faire. Et ça aussi, des petits détails justement par rapport à masque qu'on a là, et j'en ai pas ça. Oui. Bon, en effet, son technique avec. Et palette knife, ça veut dire c'est un couteau, c'est couleur plaqué et puis couleur vrai vif et vieux vivifié. Exactement. Et une marque que je remarquais, ça veut dire toujours partie
de en couleur de fond et pour développer ça, développer ça. Oui, 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 oui. En effet, en tout cas, moi je dis ça, c'est sous toute couleur qu'on met lumière. Ça veut dire, quelle que soit la couleur tableau et fond, tant que ça, son fond de soleil, un fond jaune, ça veut dire qu'on met lumière sur toute bagarre. Mais en effet, c'est thème, non, c'est ajouter de la lumière à l'obscurité. Tout à fait, voilà. Ouais, ouais. Ensuite, nous avons. Nous avons. Ouais, tableau ça tout. Là, voilà. Ça c'est femme. Yeah, ça est Queen of Sun. Queen of Sun. Yeah, ah. Ça c'est un tableau qui met en valeur les femmes haïtiennes et les femmes en général. Mais on connaît une femme tout ça remette, tout ça remet, bah il est génial et spécial. Au bon endroit là, ça c'est un tableau qui est Queen of Sun. Queen of Sun. Bon, ouais, ouais. Ensuite, vous avez un dernier, non? Vous avez un dernier. Bon, en effet, et pour une raison pour l'autre, c'est moi-même qui presque gagne plus de tableau. Ouais, dans la exposition, ouais, 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 parce que vous avez demandé un tableau, et puis justement, et puis vous avez sélectionné tout. Ouais. Et bien, ça, c'est Kiss Me and Michel. Kiss Me and Michel, ouais. Ça, en vrai, c'est deux mouns qui sont beaux. Ça, c'est vraiment. Ça, en vrai, scène d'amour, mais son amour au soleil. Bon, voilà. Ok, ouais. Très bon, très bon. Yeah, ouais. Comment vous pouvez suivre ou comment vous pouvez peut-être connecter avec vous? Normalement, c'est des amis d'Orville et sur les réseaux sociaux. Yo. Et puis, moi, j'ai d'Orville.com qui sont sites que j'ai. Ensuite, depuis aller sur tes amis d'Orville.com, il y a besoin. Google. Ouais. Pas besoin parce que moi-même, j'ai fait plusieurs expositions en France, qui dit en Guadeloupe, qui dit aux États-Unis. Tout côté, ça veut dire que depuis Google, moi, j'ai même plus de 2 articles de nouvelles qui sortent sous moi déjà. Bon, ça veut dire c'est ça. Ok, mais merci. Merci à Chokare là. Ok, parce que m'a profité de ça tout. Le me tourner, m'a une grande première à Fouba. Ah. Et la semaine Gabriel là, m'a fait une belle rétrospective côté près de 20 œuvres, belle œuvre valeur. Ok, Karel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était Tête Zami d'Orville, une artiste qui a participé dans la 5e édition Heartbeat Miami. D'abord, rendez-vous demain pour plus l'autre interview avec l'autre artiste qui vous présente. Nous avons Jerry, nous avons Oliga, nous avons plusieurs autres artistes encore qui appellent. Et puis, Pita, mercredi 5 là, live ici là pour un grand lancement prévu pour le 5e Heartbeat Miami. C'est Chokarel qui est avec vous et nous de Chokarel là, Heartbeat Miami, t'es cool. Okay.